version complète de cette vidéo est disponible exclusivement sur Patreon pour les validés qui soutiennent la chaîne. Patreon.com/ovela. Mais c'est ta mère là! Putain! Ils sont nus! Pour nous lui en mettre. Ah, c'est mon frère qui est fort au ping-pong! C'était le C'est de la folie! C'est quoi? C'est de la folie! 2800. 2800 personnes? Franchement, si on les remplit, c'est un truc de malade. Même plus. Si on les remplit, c'est un truc de ouf. Tout ça pour qu'on joue à des jeux vidéo et que ce soit d'autres gens qui mettent des gens jouer aux jeux vidéo qui nous regardent. Tu te rends compte? Ça s'est rempli en 2 minutes 30. En fait. Et bam, en 2 minutes. Maintenant que j'y pense, c'est si comme si je me rendais en France. Parce que moi, je suis loin d'être aussi gros que Squeezie, en tout cas sur cette chaîne-là, ok? C'est comme si j'allais en France et que je louais une salle de cinéma ou une salle de théâtre et que je me mettais à réagir à je sais pas, à de la musique, à des clips, et en fait, il y a toute une audience en fait, qui me regarde réagir. Et qui réagissent avec moi, finalement. Et en vrai, je ne pourrais jamais remplir toute une salle en France, parce que ma chaîne est encore très, très, très petite. Par contre, sur ma première chaîne, ma chaîne en anglais, donc majoritairement vue par des Filipinos, d'ailleurs, c'est l'un des pays que je vais visiter durant mes vacances, bah ça, c'est très faisable. Je vous assure que je pourrais le faire aux Philippines. Ils appellent ça des meet and greet, c'est-à-dire pour rencontrer, en fait... la célébrité. Écoutez, je suis pas une célébrité. Je suis quelqu'un vraiment de lambda, banal. J'ai pas la grosse tête ou quoi. Mais je sais très bien que c'est comme ça que eux, ils me voient. Ils m'appellent carrément idol. Ok. Je pense que si je fais un meet and greet, d'ailleurs, j'ai peur d'en faire un parce que j'ai peur que ça dégénère en quelque sorte parce que je serai tout seul en fait aux Philippines une fois que mon frère et mon poteau seront partis. Parce que ce sera à Manille que je ferai ça. Et j'ai peur que ça dégénère, parce que je l'ai déjà... Enfin, je ne l'ai pas fait ici à Montréal, mais je me suis rendu une fois au quartier des Filipinos à Montréal pour justement rencontrer, là, une célébrité des Philippines. Ça s'est bien passé. Mais une fois qu'on m'a reconnu, bah, et les gens ont voulu prendre des photos, des trucs comme ça. Et il y a même un vieux qui a pris une photo avec moi et qui m'a touché le cul. Là, ça m'a dérangé. Je me suis dit, man, aux Philippines, ça sera genre 100 fois pire, quoi. Donc, j'aimerais vraiment qu'il y ait des gens pour m'aider là-bas. Et je pense que je pourrais en trouver, en fait. Parce que je suis déjà en contact avec des YouTubers là-bas, des vlogueurs et tout. Je pense qu'ils pourront m'aider si jamais je le fais. Je vais leur proposer d'être là avec moi. Mais ouais, genre, si je voulais justement louer toute une salle pour faire des réactions aux Philippines sur leur contenu... Bon, voilà, je pense que je peux le faire, hein. Mais c'est une dinguerie. Quand t'y penses, c'est une dinguerie. Faire quoi? J'ai jamais fait de scène. Je vais débarquer. Qu'est-ce que je fous là, quoi? Vraiment. On jouait à Just Dance comme si t'étais dans ton salon, mais face à 1200 personnes. Ouais. Lucas, c'est propre chez lui. Son bureau est propre. Nous, tu rentres, oh, c'est le bordel à chaque fois. Oh, le bordel. Oh là 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 là. Oh là là là. On finit, on range, hein. Mais ouais, j'aurais ouais, une... On va ranger, ouais. Une, je panique. Mais mec, je suis là, genre... Je vois ça, je panique. Un joint. Et donc, t'as les petits qui commencent à arriver un par un avec leur téléphone. Et il y a Lucas qui est obvious, foncé, mais complet, rouge, là, comme ça. Et avec le petit, il est trop content. Ça fait du bien de le voir comme ça. Parce que sinon, c'est quand même très maîtrisé, tu vois. Une maîtrise de Blasio. Lui, c'est la première star, réellement, de YouTube. Tu vois, vraie star. Et une énergie, FR, une envie que personne n'avait. Parce que la vraie grosse star en ce moment, je pense, c'est Mr Beast, c'est ça. Aujourd'hui. De votre gueule à vous qui regardez mes vidéos sur YouTube. Qu'est-ce qu'il fait exprès? Hey, les vidéos de Riles, let's go! Manger des pizzas, hey, Julien, je sais pas que toi tu te filmes une heure par jour en train de parler avec tes potes sur un plateau télé. Ça montre à quel point c'est la télé bien la révolution des YouTubers, let's go! Mine de rien, on est une communauté internet, au final. Ouais. Mais là c'est brillant, c'est une analyse. C'est bien dit. Peu de gens te donneront. Il est bon. Franchement, il est bon. C'est brillant, et le gars qui se jette des fleurs. What? Non, sérieux! Les gens ont fait des covers et des remixes! Mon dieu! C'est leur. Ils deviennent leur propre boss, quoi!
Hey, mais c'est là qu'il tourne. Et même Théo, c'est le moment où nous deux, on était c'est les vidéos qu'on regarde de Squeezie. C'est le moment où c'est la prochaine malade. On part au loin comme ça, regarde l'image, c'est ça. Et là, il y a vous, on se tient et on fait ça. On les met au montage. N'importe quoi. Voilà. La version complète de cette vidéo est disponible exclusivement sur Patreon pour les valider qui soutiennent la chaîne. Patreon.com/